Oui, bonjour, Daniel Gramme, herboriste naturopathe. Ici, je me promène et je me trouve devant un petit arbuste qui est très joli. Hein. Vous voyez, il a des baies très allongées. Hein. Donc, c'est un arbuste qui s'appelle l'épine vinette. Regardez, je vous montre ici une petite broche. On va la voir peut-être au gros plan. Hein, l'épine vinette. Et de l'épine vinette, on retire un composant qui s'appelle la berbérisse, berbérine aussi, et qui a des actions sur le taux de sucre élevé. C'est une substance intéressante à utiliser quand on a la glycémie qui s'élève et qu'on n'est peut-être pas encore diabétique, en tout cas qu'on veut diminuer le taux de sucre. Ça agit aussi sur les triglycérides et le cholestérol. Et alors, cerise sur le gâteau, ça peut aussi un peu aider à perdre du poids parce que ça agit sur le syndrome métabolique, qu'on appelle ça. Donc, le syndrome métabolique, c'est différents symptômes qui ne sont peut-être pas graves en eux-mêmes, mais qui perturbent un peu notre santé. C'est-à-dire que c'est la prise de poids, c'est le cholestérol, la tendance à la glycémie élevée. Voilà, c'est un peu ces symptômes-là. Donc, voilà, il faut retenir que l'épine vinette, on pourra utiliser, ça se voit même en gélule, hein, ça s'appelle le berbérisme. Super intéressant, moi je le conseille souvent dans mes consultations et j'ai le bonheur ici de tomber sur l'arbuste. C'est du bonheur, voilà, quand on se promène, on rencontre, on fait de belles découvertes dans la nature. Voilà, donc aujourd'hui je vous parlais de l'épine vinette dont on extrait la berbérine ou berbérisme, tout dépend un petit peu. Voilà, une belle petite découverte, très bonne journée à tout le monde et à une prochaine vidéo découverte. Bonne journée à tout le monde.